Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Hop. Pas trop près du bord quand même. Là. On appuie bien. Et... on va rajouter un tout petit peu de colle par précaution. Hop. Voilà. Et pareil, alors j'aime bien. Après ça, ça vient de quand je faisais les tableaux 3D. J'avais l'habitude d'essayer de le coller le plus possible, en fait. C'est vrai que je trouve que ça fait plus joli. Hop. On va vieillir un petit peu là aussi. Oui, oui. Hop. Donc, pareil, là, je vais mettre de la 3D. C'est de la mousse 3D, pardon. Hop. Et un, j'ai pas mis la colle, mais est-ce que ça va se déchirer? Non, vous voyez pourquoi je préfère rajouter de la colle, parce que sur les cartes c'est pas gênant, mais après on peut quand même facilement le décoller. Donc je vous laisse imaginer sur un an ce que ça donne. Alors hop, voilà. Si vous voyez que c'est en relief, mais très peu, quoi. Du coup, ça gênera pas. Vous voyez qu'on est dessus. Voilà. Ensuite, vous irez bien ces stickers. Je crois qu'il y en a encore. Je sais pas. Je vais pas regarder. Ils sont sympas. Ils sont dans les violets, ceux-là. Mais
Si, regardez cette fleur, on peut la mettre là. J'ai oublié d'y mettre la distress, pardon. Là. Ensuite. Cheval, il y a le. Là. Là, si je mets un relief, là, ça va pas aller. Excusez-moi, je réfléchis. Peut-être la brouette. La brouette serait pas mal. Ou alors je la mets là. Je vais la mettre en bas, ce sera plus sûr. Donc, alors là, c'est le moment où je m'en mets partout. Pardon. Donc, après, j'étale avec le doigt pour qu'il y en ait à peu près partout. Et on essaye. Voilà. Et là. Hop, ma petite lingette. Et voilà. Ensuite. Je sais pas où la mettre, celle-là. On pourrait y mettre. Qu'est-ce que j'ai là? Ça c'est un autre kit, mais c'est pareil, les couleurs vont bien. En fait, on n'est pas obligé après de toujours faire. Ah, c'est joli ça. Je vais faire avec ça. Alors, pareil, on entre. Vous voyez la différence? Quand même plus jolie avec. Après, ça c'est mon choix. Il y en a, elles le font pas et ça va très bien. Si. Hop. Et on colle. Alors, on va essayer d'aller droit. Je suis pas très douée pour aller droit, moi. Là. Ça a l'air. Hop. Voilà. Je serais bien avec ça. Ça irait bien avec ça. Là. Je vais mettre la petite. Là. Voilà.
Et voilà. Et presque je pourrais mettre la grosse. Ah mais non, ça va pas aller ici. Ça ferait sympa ici. Allez, je l'ai pas ancré. Voilà. Ensuite, alors, attendez, ça, je vais le remettre parce que ça me gêne. J'aime les papillons. Ils sont jolis, ça aussi. Ça, c'était le kit avec les cartes. Le kit 5 cartes, je crois, ou 6 cartes à faire. Il y avait les enveloppes et tout avec aussi. Mais il me reste 2 feuilles, voilà. Surtout le kit. Et donc ça. Hop, un point de colle. Alors après, on fait comme on a envie. Hein. Pas reproduire exactement. Moi, je vous montre comment je fais. Mais voilà. En fait, j'aurais dû mettre l'étiquette là. J'aurais dû mettre l'étiquette dessous. Donc, est-ce que je peux le récupérer? Cool. C'est pas grave puisqu'on recolle par-dessus. La bêtise là. Mais bon, c'est pas grave puisqu'on recolle après, ça se verra pas, c'est ça qui est bien. Hop. Un peu trop là. Hop, je vais coller ça.
Qu'est-ce que je pourrais y mettre après? Je crois que ça va aller. J'ai peur après que ça fasse un peu trop chargé. Celui-là, on pourrait mettre une petite fleur. Hop. Voilà. Voilà, j'appuie bien un peu là, bien écoulé. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, je le finis après. Bon, on va passer à la première page. Alors, je vais récupérer ça pour mettre sur la tranche. J'aime pas qu'elle est vide comme ça. Donc, du coup, je vais coller ça. Bien sûr, je vais le vieillir. Je vais finir à la tranche avant de passer à l'intérieur. J'aime bien faire d'abord l'extérieur et après l'intérieur. Enfin, ça dépend de ce qu'on fait. Hein, parce que des fois, il vaut mieux commencer par l'intérieur. Voilà. Et là, désolée, vous allez peut-être pas voir beaucoup, mais là, et là, je vais venir le coller. Alors, j'essaye de le mettre à peu près au milieu. À peu près, hein. Moi, le milieu, on est fâché. Comme j'ai du mal à aller droit, je sais pas si je suis toute seule ou si c'est normal. Mais et là, je vais décorer un peu aussi. Je vais décorer, mais avec quoi? Là est la question. Je verrai après. On va laisser sécher. Hop. Voilà. Donc après, je ne sais pas comment je vais disposer ça. La tranquillité est finie. Voilà. Je vous reprends. Excusez-moi. Alors, donc, je vais faire une pochette avec l'enveloppe. Donc, je vais commencer par la rentrer. Voilà. Parce que de toute façon, peu importe le décor ou le papier que je vais choisir, j'ancre les bords. Donc voilà. Et je vais profiter pour ancrer. Vous voyez l'intérieur, je ne l'ai pas ancré à mon goût. Après, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est à mon goût.
En plus, ce qui est bien dans ces agendas, pardon, c'est que du coup, c'est pas blanc, c'est coloré par rapport à ce que je travaille d'habitude. Et je trouve que c'est encore plus joli. Ça rend encore mieux. Donc, je vais coller l'enveloppe. Vous devez connaître le principe. Mets de la colle. Et puis, attendez, hop. Et puis on ferme, on la colle en fait. Mais bon, ça vous le voyez, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, tout le monde le fait. Donc oui, en fait, j'ai rien inventé, hein, moi. Je vous montre juste ma façon de faire. Après, moi, j'ai pas appris et je le fais à ma façon en fait. Donc après, je vais prendre mon massicot et je vais découper juste le bord. Alors, je vais enlever très peu, c'est juste pour l'ouvrir, hein. Ouais, il a un problème, je sais. Il faut que je change la... Il faut que je change la lame. Hop, voilà. Ça. Mais c'est vrai que je vais plus trop souvent à Cultura. Hein. Je vais faire l'encoche de suite, comme ça, ce sera fait. Alors. Moi, je prends une perforatrice ronde de 3,5. C'est juste parce que j'ai pas. C'est ce que j'ai, quoi. J'en ai une de 2,5. C'est une maille. Je l'avais acheté à Cultura. Et une de 3,5. Donc, comme je trouve que le 2,5 c'est trop petit, je le fais au 3,5. Mais après, ça c'est au choix. Et donc là, je vais faire un trou approximativement au milieu. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer. Vous voyez la différence? Donc, je vais ancrer. Donc, ce que je vais faire, j'aime bien cette frise qui est dans les violets. Ça ressort pas trop, mais... Et donc, je vais voir ce que ça donne là. Hop. Sachant qu'il y aura le... Ouais, j'adore. Bon, donc, je vais... Excusez-moi. La placer là. Hop. Et je vais juste... Bien sûr, j'ai pas coupé droit. Hop. Ce qui est très fréquent avec moi. Donc, c'est pas celui-là. Je l'ai mis dans mon cutter. Bon, le problème avec ça, c'est qu'une fois que c'est décollé, ça colle plus. Donc, je vais bien appuyer dessus. Je vais un peu vieillir les bords. Voilà. Non, je vais y mettre de la colle parce que ça va jamais tenir aussi. Vous voyez? Ça s'enlève comme qui rigole. Mettre un peu. Hop.
essayer de couper droit. Bon, au final, il n'y en aura plus à force. Mais... Voilà. Et donc, je le replace. Hop. Et... Voilà. Je vais y mettre des pinces à linge. Le temps que ça colle, parce que cette matière, elle a tendance à se relever chaque fois. Hop. Bon, c'est moins pratique, mais bon. Ensuite, je continue ma pochette. Donc... qu'est-ce que je vais y mettre comme, comme papier? J'ai mis celui-là, là. Qui est trop beau. Voilà ce que ça donnerait. Est-ce que je pourrais pas faire un style... Vous savez, les papiers, je sais pas comment on appelle ça. Superposition. Je sais pas. Donc, je sais pas. Je réfléchis et on se retrouve après. Ouais, donc en fait, je crois que je vais faire ça. Vous voyez, je vais le dispositionner comme ça. Enfin, à peu près là. Je vais essayer de faire une petite pochette avec ça. Et ça, je le mettrai après, plus tard, en forme de tag. Je sais pas comment je vais décorer après. On va voir... on va voir. Mais ça me paraît pas mal comme ça. En pochette. Et après, je voudrais faire une petite pochette en bas aussi. Là. Donc, je vais voir. Moi, je vais commencer par ancrer tout ça. Et on se retrouve après. Donc, alors, j'ai mis un plastique là pour le trou. Pour pas que l'auto, le double face se colle sur l'autre côté. Voilà. On va, si j'arrive à l'attraper, hop, je vais coller ce morceau-là. Donc, oui, ça s'est collé. Et là, je vais repasser, là, je vais refaire le cercle avec la perforatrice. Hop. Et bien sûr, elle est coincée. Hop. Oui. Petit bout là. Voilà. Bien sûr, je repasse avec la distress. Voilà. Donc, par contre, ce côté est mal fait. Voilà. Et ensuite, alors pour ma petite pochette, j'ai collé juste trois côtés. Je vais le placer comme ceci. Et
fait qu'en fait, ça fera la pochette. On pourra y glisser des tables. Mais bon. Mais avant de la coller, je voudrais voir si je peux pas mettre des embellissements en haut. Et peut-être en bas. Quoique non, là, il y aura le... Aussi, on pourrait mettre un tag. On pourrait mettre un tag. Cette là, elle est chaude. Je le mets dessous ou dessus? Là est la question. Je vais l'entrer. Et je pense que je vais le mettre dessous. J'ai pas envie de cacher le titre, en fait. Un petit peu de colle. Hier, la distress. J'ai les doigts tout marron. Oh, c'est caca. Ah, ça a séché. C'est tellement chaud. En plus, pour que vous m'entendiez, j'ai pas allumé le ventilateur. Et donc, commence à faire chaud. Très chaud. Voilà. Et je vais le placer juste au coin. Là. Voilà, là, ça me plaît bien. De toute façon, après, comment on va mettre la pochette dessus? Ça fera pas trop là. Voilà, donc ouais, cool. Maintenant je vais coller la pochette. Et bien sûr, on appuie bien. Voilà. Et ce qui fait qu'après, comme j'ai collé que trois côtés, ça, on peut le superposer. Pardon, si je vous le mets à l'envers. Oui. Et là, il y aura un tag. On va faire un double tag à y être. Voilà. Ensuite. Je vais faire la pochette. Alors, la pochette, je vais la faire. Je regarde et je vous reprends après. Donc là, j'ai envie de me servir de ce bloc de papier. Vous vous souvenez, il est pailleté. Et c'est le numéro 1. Vous vous souvenez, je l'ai acheté... c'est un des nouveaux en tout cas, et donc j'ai bien envie de le mettre là pour compléter. Celui-là il est pas mal, donc je vais le garder. Celui-là aussi, mais oh, celui-là aussi. Voilà, ça fait trop chargé. Donc, ouais, celui-là est pas mal. Ou celui-là. Donc, je sais pas trop. J'ai peur que ça fasse trop chargé. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, je mesure. Alors, comme c'est du papier assez épais, et que si je rajoute
le craft en plus, ça va faire encore trop épais. Donc du coup, je vais faire la pochette qu'avec ça. Je vais faire une pochette simple et puis, puis voilà. Donc, il me faut 4, 4, plus 1, plus 1 et demi. Voilà, moi, est-ce que je la fasse 4, ça fait 5 et demi. 5 et demi, est-ce que je tombe sur le dessin? Ouais. Et là, 5 et demi. Donc, il vaut mieux que je le prenne là, en fait. Ouais. Donc, je vais couper une bande de 5 et demi. Oui, parce que moi, je rajoute... je mets un demi en plus de la... de ce qu'il faut. Je vais y arriver, vous allez voir. Donc, j'ai dit 5 et demi. Hop. Et donc en largeur, il me faut, ça fait 11, on va dire 10 et demi, 12, 13, 14 et demi. Donc il me faut 14 et demi. Excusez-moi. Donc 13 et demi. Hop. Ensuite, je vais prendre ma planche. La scorpade et donc je vais faire un pli à 1,5. De l'autre côté à 1,5. Et alors après donc de ce côté, vous voyez. Je vais le faire là, le pli. Je vais essayer de garder ce dessin. Donc, à 1,5 aussi. Après, je fais le pli. Donc, okay. Alors après, je coupe bien sûr les bords. Un biseau, les angles. Et j'en profite pour faire couper un peu en biais en haut. Bien sûr, je vais ancrer. Bien sûr, je vais faire un trou. Alors là, je vais prendre la petite de 2,5. Je vais faire une petite encoche. Ah ben non, ça ne marche pas. Bon, il est bloqué. Elles ne sont pas très solides. C'est perforatrice. Vous voyez, elle est bloquée là. En fait, le... ça bloque. Mais bon, bref, et je continue d'ancrer. Je
vais le faire un peu plus foncé, que ça se fonde avec le reste. Et je vais un peu aussi vieillir le blanc, qui est trop blanc pour le... Et je vais la coller. Alors, moi, je vais la coller avec du double face. Donc, je vais prendre celui-là. Et on y va. Alors, toujours pareil. Moi, je prends le large parce que je trouve que c'est quand même mieux. Mais bon. Après, il faut le recouper. Vous voyez, les ciseaux, après, ils se... ça se colle. Il faut les nettoyer régulièrement, mais bon, après ça revient quand même moins cher que les fins. Et celui d'action, j'en ai, mais pour faire ça, je trouve qu'il colle pas assez. Donc après, ben, je me sers de ce que j'ai coupé pour faire les autres côtés. Donc, ben, en fait, il n'y a pas de gaspillage quand même. Très peu, quoi. Hop, ça, c'est collé. Hop. Il va pas se décoller celui-là. On appuie bien. Donc je vais commencer par coller le bas pour essayer d'aller le plus droit possible. Donc hop. Puis je vais finir par les côtés. Et voilà. Voilà. Donc, nous avons une enveloppe, fait une poche, une pochette. Nous en avons une ici, petite. On peut mettre les cartes de visite, on peut mettre ce qu'on veut. Et nous en avons une un peu plus grande. Comme vous avez compris, du coup, celui-là, c'est pas pour un enfant ou une jeune, hein, c'est pour une dame. Voilà. Ensuite, je vais la coller. Alors, un peu de place parce que... Et donc là, je vais la coller. J'ai mal, c'est pas assez foncé là. J'ai mis quand c'est bien fou. Pas trop la différence, voilà. Donc, je reprends mon double face, bien entendu. Et on y va. Je vais le plus près possible du bord. Et je coupe. Je peux casser pour le double scotch. Et non, parce que j'en ai un qui coupe et un pour le double scotch qui coupe, mais à la fin il ne coupe plus, donc que j'aille pas le... Donc j'ai mis le double face partout derrière. J'ai appris bien.
J'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais coupé en fait. Bien sûr, j'ai mis de la coupe. Au cas où. Et puis là, je vais coller. Alors, on va essayer de coller à peu près droit. Essayer de suivre le... On appuie bien. Là, je profite pour passer derrière, dedans, en appuyant bien. Hop. Voilà. Et la première page est faite, donc il nous reste celle-là à faire. Celle-là, je sais pas, je verrai l'épaisseur que ça fait, parce qu'il faut pas que ce soit trop épais non plus, puisque... Et celle-là. Et puis on aura fini. Et les derniers petits détails là sur la couverture. Donc pour le moment, ça nous donne ceci. Ceci. On va faire le tag. Hop. Donc pour le tag, bon, rien de plus simple, c'est une carte double, hop, et qui va pile poil dedans, normalement, attendez, si tout va bien, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, ça y va, putain. Donc, alors le peut-être la transition. Bon, après ça va se faire. Je sais pas pourquoi je bloque là. Ah ben oui, c'est l'enveloppe en fait. Je vais le couler. Ça. Je vais le couler. Voilà, c'était le coin qui s'était un peu décollé. Donc voilà. Alors, bien sûr, je vais commencer par ancrer toute la carte. Enfin, les bords. Je fais ça et je vous retrouve. Donc voilà, ma carte est ancrée, elle est bord. Voilà, j'ai ancré aussi à l'intérieur. Et là, j'avais envie d'arrondir les angles. Très légèrement. Donc voilà. Bon ben on recommence. Il faut choisir les papiers, puis voir ce qu'on va y faire. Donc je réfléchis et je vous retrouve après. Je sais pas trop là. Je suis désolée, mais c'est délicat de. Ou alors je mets les petits coins. Là. Ça peut être sympa les petits coins aussi. Celui-là il irait bien. Mais est-ce que ça ira là? Je le mets comme ça. Donc après, je vais le couler comme ça. Ah ouais. Bon, je vais faire ça alors. Alors, je vais le couper le fond. Donc, il faut 10,4.
je vais faire. Donc voilà, donc j'ai collé mon fond, j'ai mis les coins et j'ai collé la pochette. Voilà. Je vais pas trop tirer dessus comme elle est pas sèche encore. Voilà. On pourra y glisser des petites cartes de visite ou un petit tag. Voilà, j'essaye de vous le montrer de plus près. Et donc après dedans je sais pas trop quoi faire en fait, je voudrais plutôt faire des, qu'on puisse mettre des photos en fait, donc je sais pas parce que je trouve que c'est assez là. Donc en fait je crois que je vais juste décorer l'intérieur avec ces magnifiques stickers. Comme ça, j'en ferai des tags. Je sais pas. Derrière. Et je trouve que ils vont bien avec. Mais si je le mets derrière et je fais des petites feuilles à l'intérieur. Ouais, on va faire ça. Il me plaît trop celui-là. Je sais pas pourquoi je le vois avec, donc alors on va voir quand même. Hein. Monsieur, il était mal découpé. Donc je le range un peu. Hop. Alors, regardez comme il est. Il irait bien là. Même au milieu. Allez, je vais l'entrer. De toute façon, il faut bien se lancer. Alors, bien sûr, voyez, c'est blanc là. Donc, je vais essayer de limiter le blanc. Continuer dans l'esprit vieilli. Après, ça c'est moi, je précise. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Ça c'est chacun. Moi, c'est un exemple. Après, faites ce que vous voulez. On a tout notre goût, nos goûts différents. Donc, je mets de la colle. Parce qu'ils tiennent pas trop ces stickers quand même. Hop. Et je vais le placer. Je vais aussi coller des angles en fait. Après. C'est pour ça que je le mets au milieu. Je veux que ça donne comme une photo. Donc les angles, je vais mettre. Je crois que ça, ce serait joli avec aussi. Non, bah, je vais rester sur mes angles et je vais mettre les petites roses. On va ancrer un peu. Là, c'est manière. Hein. Thank you.
Bon, je vais finir de coller les angles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai un peu plus foncé là, ça me paraissait un peu clair, alors j'ai fait des ombres, hein, ça fait vieillir, voilà. Bon, ce sera tout pour cette vidéo parce que j'ai plus de mémoire sur le téléphone, il faut que je le vide, donc je vais vous poster cette vidéo. Et puis peut-être ce week-end, peut-être dimanche ou lundi, je vais essayer de finir et de vous poster la vidéo. Peut-être que tant que j'y suis là, je vais mettre juste du papier décoré. Comme ça, on pourra y mettre des photos, ce qu'on voudra. Voilà. Donc, eh bien, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et passez une bonne soirée, car il est tard. Et à très bientôt. Plein de gros bisous. Au revoir.